Bonjour à vous tout le monde les gens. Il est vers Malone ? Oui, il vient tout à l'heure, t'inquiète pas. Bon. Hey, Théo c'est Malone. T'inquiète pas, il vient tout à l'heure mon cher enfant. Aujourd'hui nous sommes actuellement le lundi 10 août, il est 9h08 du matin. Je me suis couché hier aux alentours de 3h, j'ai réussi à bosser relativement tard donc je suis content parce que la semaine d'avant, j'ai pas réussi à bosser. Minuit et demi j'étais KO. Et ben là j'ai réussi à bosser et tout donc je suis très content. Ça peut être comme ça toute la semaine, c'est bien. Du coup je me suis couché vers 3h et je me suis levé vers 8h15, quelque chose comme ça. Les enfants je les ai entendus qu'ils étaient levés. Je me suis levé, je les ai réveillés, déjeuné et tout ça et tout ça. Laura s'est levée aussi ce matin un peu plus tôt et elle est partie au travail. Du coup au programme aujourd'hui, alors il fait très très chaud ça, de toute façon c'est pas une nouveauté hein, c'est la canicule, c'est comme ça. Il y a pas trop de rangement ou quoi que ce soit à part des machines. Donc ça va, vu que j'avais fait tout le rangement hier de la salle de jeu, la chambre des enfants, machin et tout ça. Là, Théo est en train de jouer à console, Léo est sur l'ordinateur. D'ailleurs, il faudra qu'il calme un peu parce qu'ils y sont depuis une petite demi-heure et tout. Les chambres, bah ça va. Ça va aussi, il fait chaud dans la chambre des garçons par contre. Ouais, ça va, mais il fait un peu chaud quand même, mais ça va. Dans tous les cas, il faut faire les courses aujourd'hui parce que les enfants sont là et pas eu le temps de faire. Bon, de toute façon, hier c'était dimanche, samedi avec Goston, donc il faut planifier des courses pour aujourd'hui et des repas. Pour la semaine aussi, je verrai pour aller aux courses quand Laura rentrera tout à l'heure, je pense, avant qu'elle aille chercher Malone. Et puis, comme ça, au moins, on aura ce qu'il faut et tout. Alors, on va peut-être aussi aller à la rivière aujourd'hui, je sais pas, on verra comment on s'organise. On verra selon l'envie des enfants aussi, parce qu'on peut aussi jouer au pistolet ou ici à la maison. C'est pas un problème. Il y a des tomates à cueillir, c'est bon. On a des tomates qui ont rougi, ça fait plaisir. Elles ont rougi super vite d'ailleurs. Mon vlog est en ligne aussi, c'est un vlog d'1h12. Putain, je suis désolé, j'ai déconné complètement. En le montant, je me suis dit, oh là là, j'ai encore fait un vlog. 1h12, c'est un record. Il est en ligne depuis ce matin sur YouTube. C'est tout bon, j'ai fait le planning des lives, faut que je le diffuse aussi sur en story, Instagram et tout pour que vous sachiez. Les lives, je vous les mets aussi ici. Je vous mets le planning des lives pour la semaine de télé et tout. Ça c'est bon, le planning des repas. Et j'ai ma banque qui m'a enfin répondu, j'ai réussi. Alors il me disait un justificatif de domicile de moins de 3 mois, mais le problème c'est que notre commune a deux noms. Elle a deux noms la commune. Parce qu'elle a changé de nom, c'est comme Taon et Cap d'Avenir, je vous avais dit. Dans les Vosges et Cap d'Avenir, ils ont changé. Et résultat, en fait, je leur envoyais la facture d'internet, téléphone fixe et internet, et c'est au nom de l'autre nom de la commune. Sauf que moi, dans les statuts de ma société, c'est l'autre nom. Du coup, le mec il m'a dit bah non, je peux pas accepter. Et il me dit trouver un moins de 3 mois, etc. Et le problème, c'est que j'ai pas trouvé moins de 3 mois, j'ai juste trouvé le gaz de marque, plus de 3 mois, etc. Quand on a emménagé ici, que j'ai rempli la citerne de gaz. Et du coup, bah là, je lui ai envoyé ça et il m'a dit bon, ah, c'est bon, je vous l'accepte. Donc c'est bon, les papiers de la banque sont faits, tout est validé au niveau de la banque, j'ai plus qu'à déposer le capital de la société pour avoir la justificatif et puis l'envoyer avec les statuts et tout. Et comme ça, ma société sera ouverte d'ici une semaine. Ouvert définitivement d'ici une semaine, deux semaines à peu près, oui. T'as vu le meuble, ça, c'est deux monsieur, ils l'ont fait à la main. C'est eux qui l'ont fait. Ils l'ont fabriqué. Oui, mais leur vidéo branche de mon cahier. Je vais au cours cet après-midi, je regarderai. Oui, mais ça a l'air de toi. Bah on verra. Et elle est belle ta chemise, hein. Oui. Ah dis donc, petite chemise bleue, monsieur. Je vais rejoindre ma copine. Ah bon? Ah. Donc je sais plus ce que je disais, j'ai complètement oublié. Bref, t'as compris le truc. Bon mes chers amis, il est actuellement 9h47 du matin. Je suis allé sur l'ordinateur pour bosser un petit peu, faire des mails et tout ça. Là, je vous avertis tout de suite, restez là. Je vous fais une courte page de sponsor, de promotion. Je vais vous présenter quelque chose dans quelques secondes. Restez là, vous savez, moi je vous partage très souvent des bons plans, etc. Là, c'est... Et là, ça en va de votre sécurité, ça en va de votre pratique sur l'ordinateur, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder, ça dure quelques minutes. Je sais que vous êtes des gentils abonnés de toute façon. Et en tant que gentils abonnés, de toute façon, vous n'allez pas zapper. Vous allez me faire plaisir et en plus de ça, vous allez télécharger l'application pour me faire encore plus plaisir. Je le sais, j'ai confiance en vous. J'ai parfaitement confiance en vous. Franchement, je sais que vous ne décevrez pas. Oh, c'est bon, on est parti. On est dans un instant sponsor. Là, le vlog s'est interrompu pour cette petite collaboration. Écoutez, vraiment, restez parce que ça peut vous intéresser. Comme d'habitude, tout ce que je vous montre, ça peut vous intéresser. Moi-même, ça va m'intéresser en premier. Vous savez, je suis inscrit à plein de sites internet. Amazon, Cdiscount.net, enfin... plein de sites internet. Et je pense que comme moi, vous savez à quel point il est difficile de connaître tous ces mots de passe. Alors, il y a l'erreur que beaucoup font, c'est de mettre le même mot de passe partout, une chose à ne pas faire. Ou l'autre méthode, c'est de mettre un mot de passe très simple partout.
tu vois. Donc même s'il est différent, il est très simple. Écoutez, c'est pas vraiment la bonne solution. Il faut toujours mettre un mot de passe compliqué, un mot de passe limite auto-généré, des choses comme ça pour que vous soyez sûr d'être totalement sécurisé sur les sites internet sur lesquels vous avez des comptes. Et pour ça, j'ai une belle solution pour vous. Quand ils m'ont contacté, je me suis dit ça tombe bien parce que ça me concerne aussi. C'est alors vous connaissez NordVPN. J'ai pas besoin de vous le redire. Hein. Je pense qu'on le voit suffisamment sur YouTube. Bah là, je vais vous parler de NordPass. NordPass, c'est un gestionnaire de mots de passe nouvelle génération avec une super sécurité. Ça a été développé par des spécialistes de la cybersécurité de chez NordVPN. Donc voilà, c'est quand même le cador si vous voulez. Vous permet de stocker tous vos mots de passe en un seul endroit avec un seul logiciel. Vous pouvez organiser tous vos mots de passe, toutes vos connexions, vos données dans un coffre-fort, dans un seul et même logiciel, un seul et même accès avec un seul et même mot de passe. Il y a quelques années, j'avais déjà utilisé ce genre de logiciel, je trouvais que c'était pas très au point, et là franchement, on est quand même sur quelque chose de très abouti qui fonctionne vraiment parfait. Vous pouvez en plus acheter en ligne en toute sécurité, le logiciel NordPass vous permet d'enregistrer vos cartes bancaires de manière encore une fois totalement sécurisée, et ainsi pouvoir acheter rapidement sur un site internet sans devoir ressortir votre carte bancaire, le code de sécurité, etc. Tout est enregistré du coup dans le logiciel. Les remplissages de login de connexion se font en un clic, vous n'avez pas besoin de rechercher parmi tous vos mots de passe. Moi je sais quand j'utilisais Google, bah, ça me listait en fait tous mes identifiants, tous les mots de passe et tout. C'était le cirque, c'était le bazar, franchement c'était pas super évident. Bah là tout se fait automatiquement. Vous pouvez en plus partager vos mots de passe avec vos amis, les amis les plus proches par exemple, vous voulez... partez en vacances, n'utilisez pas votre compte Netflix. Bah moi, la dernière fois, j'ai eu le coup avec Malone. Il était parti chez sa grand-mère, il m'a écrit en me disant oh, c'est quoi les logins Netflix, mot de passe et tout, parce que je peux pas y accéder avec mon téléphone. Et bah avec NordPass, j'aurais pu lui envoyer en un clic mes identifiants Netflix de manière sécurisée, parce que voilà, j'ai confiance en lui. Du coup, il peut utiliser les logins. Pas besoin de taper en clair le mot de passe sur WhatsApp ou par SMS. Alors, mon mot de passe, c'est ça. Non, là, tu peux envoyer ça de manière sécurisée. NordPass vous permet aussi de détecter automatiquement les sites internet qui ne sont pas safe, qui sont douteux, qui peuvent être victimes d'insécurité, etc. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Plus besoin de vous poser la question, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que je peux acheter sur ce site ou pas? NordPass, de toute façon, vous le dira. Toutes vos données qui sont transitées via NordPass sont cryptées. Elles sont lues uniquement au moment de la synchronisation. Il n'y a pas de risque. Vous savez, ça arrive des fois, par exemple, vous êtes au McDo, vous êtes dans un hotspot public ou quoi que ce soit. Il peut y avoir des hackers avec des machines, des petites machines, des petits PC sous Linux ou autre, qui, en fait, vont sniffer le réseau Wi-Fi. Donc, ça veut dire qu'ils vont pomper tout ce qui se passe sur le réseau Wi-Fi et ils sont capables en fait de ressortir vos données cartes bancaires, etc. si elles sont transitées de manière non sécurisée. Avec NordPass, vous n'avez pas le problème. Je vous recommande vraiment de télécharger NordPass, le lien est en description de cette vidéo. Allez-y, ça vaut vraiment le coup, ça peut vous permettre de gagner du temps, d'avoir la sécurité, que vous êtes sécurisé. Comme je le rappelle, ça a été développé par des experts de la cybersécurité, les mecs, voilà. Au-dessus, d'accord. Gardez vos mots de passe sûrs et organisés avec NordPass. C'est rare que je vous fasse de la pub pour des choses qui ne peuvent pas vous intéresser. Là, vraiment, c'est un outil qui est super simple à utiliser, qui est super pratique. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir. Essayez-le au moins. Essayez au moins en téléchargeant l'application dans la description. Essayez-le. Et franchement, je pense que vous serez vraiment, vraiment pas déçu, comme moi, je ne le suis pas. Je vous remercie d'avoir regardé ces petites courte page de pub, et puis on se retrouve du coup pour la suite du vlog. Bon, c'est bon, la sponso est terminée, c'est bon, maintenant on passe un peu à la suite du vlog, c'est bon, la pilule est digérée, tout va bien, ok. Dans tous les cas, là, je viens de ranger un tout petit peu, il y avait juste 2-3 trucs qui traînaient, il n'y avait pas grand chose dans le show, je vais voir les machines où ça en est. Ok, donc les linges sont pliés, rangés, prêts à être mis en haut. Oui, ma chérie. Il n'y aura pas du sable. Où ça, du sable? Ben non, faut aller à un autre lac si tu veux du sable. Tu veux du sable? Oui. Ben je regarderai pour aller à un autre lac alors. Ok? Mais celui-là qu'on est... Ça c'est à qui? C'est à Laura. Laisse-le, touche pas. Mais papa... Oui. Est-ce que pour mettre... attends... Elle sait pas ce qu'elle veut dire. Oh, ouais, les jolies baskets. Oui, tu peux les mettre si tu veux, oui. Elles sont là, belles, hein. D'accord. D'accord. Mais je fais les dans l'eau avec mes... Mais t'as tes chaussures spéciales pour aller dans l'eau? T'as les chaussures là-bas pour aller dans l'eau? Non, mais en plus, ça m'a du sable. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est normal. Mais non. Mais non. Mais non. Vas-y, saute. J'ai sauté. T'as sauté, t'es trop forte. Espèce de koala. Tu connais les koalas? Oui. Ah bon? Je vais lui montrer la photo du koala mouillé là qui fait. Mais papa, il faut prendre mon gonflable. Il est dans la voiture, Luna.
Non, oui, la voiture à Nona, oui, c'est vrai. Oui, la voiture à Nona, elle est où? Mais là, on va pas prendre le truc gonflable pour aller dans la rivière. Si. Bah non, hein. Bah si, on va aller. Quoique si, à la limite, ça peut être rigolo. Quoi qu'ils vont le déchirer, peut-être avec les cailloux, je sais pas. Je sais pas. T'as bien déjeuné ce matin? T'as mangé quoi? Oh, et un seul. Un petit pain d'épices qu'on nous a ramené du Ghost Hunt. C'est bon? Bon, bah ça va alors, si c'est bon. Bon, dans tous les cas, là, je vais aller vite fait dehors ranger 2-3 trucs. Il faudra aller chercher des tomates. Il y a des tomates. On va t'aider à... Tu m'attends pour ma méchante. Mais on n'y va pas tout de suite. Par contre, tu peux manger la bouche fermée, pas. Voilà, c'est mieux quand même. Hein. Oh. Allez, descends. Oh. Hop là. On n'y va pas tout de suite aux tomates. Hein. On ira après. Bon. C'est trop. Bah oui, c'est du pain d'épices. Moi, je suis. J'adore ça. Ouais. Tu voulais racheter ça? Oui. Et elle est trop belle ta robe, hein, franchement. Eh, hey, dis, c'est top, hein. Je vois. Ah, t'as vu, il se bouge là. Waouh. Bah, tu peux boire, tu prends un verre et tu peux te servir. Tout va bien. Non, c'est pas vert. Bah, tiens. Je vais t'en donner un. Attends, ils sont dans la machine. Dans la vaisselle, je voulais dire. Ça y est, t'as fini de jouer, toi? Non. T'as mis des pansements sur tes pieds? Non. Bah, mets des pansements. Et là, t'es bien arraché. Il avait des sandales hier, ils sont allés à la pêche et du coup, il y a des grosses ampoules. Moi aussi, j'en ai une derrière le pied avec mes nouvelles chaussures. C'est un poison, c'est pas un poison qui t'a mordu. Tiens. Oui. Tu mets ça. Bah, si, elles te vont les chaussures. Nickel. Sur la vitesse où tu les uses, toi. Elle n'est pas sortie de l'auberge. Bref, j'ai vidé la poubelle de tri aussi. Je vais mettre sur le trottoir. C'est quoi cette semaine? C'est le tri ou les ordures ménagères? C'est les ordures ménagères. Si tu dis ça, c'est que t'as renversé. Hein. J'ai même pas renversé si elle dit ça. Ah non, ça va. Non, non, même pas. Oh, bah dis donc. Bon, pour midi, au niveau du repas, je sais pas du tout ce que je vais faire à manger. Je vais voir un petit peu, j'ai des tomates et tout. Parce que bon, les enfants vont pas subir le rééquilibrage alimentaire ou quoi que ce soit, mais je vais voir ce que je fais. Oui, non, mais il y a de quoi faire. C'est bon, il faudra faire les courses tout à l'heure, faire le planning des repas aussi et tout, mais voilà. Chaque chose en son temps. J'étais dans la cuisine, je l'ai vu partir avec le produit. Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais quoi? Mais c'est pas avec ce produit-là, déjà. C'est gentil, mais faut... t'embête pas à tout nettoyer. Ah là là. Ah, c'est bon, tu l'as assez nettoyé. Range ça. Tu vas utiliser tout le produit, après on en aura plus. Ah là là. J'ai aussi nettoyé la table. Ah, je vois ça, ouais, elle est propre la table. Hein. Ouais. Par contre, t'es pieds nus dehors. Hein. Et il y a un papier par terre. T'es pieds nus dehors, hein, chef. Après, c'est pas grave. Soyons proches de la nature, n'est-ce pas? Ah, te revoilà, toi. On va accueillir une tomate chacun? Oui, il y en a deux normalement. Ah non, il y en a deux, venez. Alors du coup, il y a deux tomates, il y en a une ici et une grosse là-bas. Tu veux laquelle, Théo? On va voir l'autre. On va manger elle. Bah tu la prends, faut la tourner ouais pour la décrocher. Vas-y, tu peux la prendre, Chloé. Il faut faire quoi pour la... Tu tires? Tire dessus doucement. Oui. Voilà, venez, on va... Ah, et... Tu peux la manger? Eh bien voilà, les premières tomates ont été... Il est déjà en train de... Chloé, elle a une tomate cerise, du coup, elle est en train de la manger comme ça. Et là, Théo, il est en train de couper sa tomate à lui. Ah, je vais pas lui... C'est pour tout le monde? Ah bah, tu peux faire goûter à tout le monde. C'est les tomates du jardin. C'est les premières tomates, chef. Regarde, elle est coupée pour les billes et tout. Bah, c'est super gentil. J'ai fait une petite photo, parce qu'il faut immortaliser le moment. Bon, la photo est pas ouf. Il y a plein d'ombres partout, de la lumière, mais je m'en fous. Moi, l'important, c'est juste... C'est le plaisir de les voir heureux, d'avoir cueilli les tomates et tout ça. En plus, c'est même Chloé qui a dit, on fait une photo. C'est pas la meilleure photo au monde, mais je m'en fous. Moi, l'important, c'est le moment. Alors... Hein? On en mangera à midi, de toute façon, les tomates. Je couperai celle de papy. Regarde celle de papy. T'as vu la tomate, toi? Mais papa, moi, j'ai tout mangé la tomate. Bah, c'est très bien, ma chérie. Elle était belle. Quoi? Regarde Théo, la énorme tomate. On n'en voulait pas des tomates. Bah, mange-la toi. Hein. Regarde, elle est grosse. Oh là là. Oh la vache. Oh bah la vache, ouais. Oh la vache. Oui, mais celle-là, je vais les cuisiner à midi. On va faire une salade de tomates. Oh la vache. Oh, t'as fini, oui. Ouf. Oh la vache. Oh punaise. Oh punaise. Ah.
Hein? Non, c'est le dessus en fait. Faut que tu papa, mets là. Tu mets dans le truc à compost là. Le machin pour jeter au compost. Papa, tu sais. Est-ce que. Papa? Est-ce que tu. Bonjour, ça va, papa? Papa peut prendre du sol. Donc tu voulais dire quoi? C'est fini là, t'en as déjà mangé une de tomates cerises là. Oui, allez, c'est bon. C'est le père très très sûr. Donc tu me disais quoi? Quand on était à la mer, il y avait des lacs. Des lacs? Il y avait des trucs comme ça. Je sais plus. Ah bah, je papa, sais pas non plus si tu m'expliques pas plus que ça. Papa, lui, on peut pas le couper là. Bah si, je vais la couper c'est à midi. Quoi, il est tout pourri. Inquiète. Mais papa, oui, tu sais, à la mer, il y a des vagues? Bah oui, il y a des vagues, oui. Et papa, si on mangeait... Laisse toutes les tomates, je vais les faire après. Laisse-les, je vais les faire, t'inquiète. Papa, je regarde si ça va tout bon. Papa, je peux passer ça? Non, on fait pas des pommes de terre, là. Ouah, elle est bonne. Elles sont belles. Ça, c'est un poivron, ça. Et ça, c'est un autre poivron. Mais je vais les faire à midi, les poivrons. Ça, c'est un jaune, papa, ça, c'est un... Tu sais, moi, j'ai vu un énorme poivron. Poivron? Un poivron d'or. Ah bon? Tout seul. De quoi? Dans le jardin là? Dans le jardin. Oui, c'est un petit rond. C'est un petit rond, c'est pas un poivron. Il est rond et jaune. Oui. Oui, c'est le petit rond. Il grandit, il faut attendre. Papa, il y en a un rouge, un jaune. Et un vert. Un vert. Ouais, mais on va préparer ça à midi, on va faire du riz avec. Je vais faire du riz pilaf avec poivron et tout. Ouais, poivron. Mais... Non, c'est très bon, tu verras, ça sera très bon, papa, ma chérie. Papa, tu veux quelques poirons pour je pose. Tous, on va tous les faire comme ça, on s'est fait. Mais moi, je veux couper avec toi. Non. Avec un petit couteau. Doucement. On va t'aider, papa. C'est vrai? Oui. Oh, je suis très heureux. Papa. Si, papa, on peut refaire que t'as laissé. Fais quoi? Papa, comme ça. Papa. Il y a un par terre, un par... Qu'on avait fait un câlin. Comme ça? Oui. Mmh. Il peut refaire comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Non, c'est comme ça. Regarde, lève-toi. Mets-toi au genou. Lève-toi. Voilà. Que je te prenne la tête. T'es prête? Oui. Encore. Encore. Tu me le fais? Ferme le cervical après. Allez. Attends. À moi. Non, stop, c'est fini. Ici. Non, c'est fini. Une fois. C'est fini. On fait bien feuille ciseau. Attends, feuille ciseau. C'est quoi? T'as fait le ciseau? Vas-y. Pierre, feuille ciseau. Ah, on a déjà eu deux. Pierre, feuille ciseau. Pierre, feuille ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Ouais, je suis là, Pierre. Eh ben, moi, je t'emballe. J'ai gagné. Thank you.
Et bien voilà, le riz poivron est actuellement au cookéo, c'est bon. Donc c'est Théo qui a fait les poivrons et tout ça. Attends ma chérie, attends, je récupère juste les clés de la boîte. Je vais porter. Quoi ? Je vais porter. Porter quoi ? Porter. Tu veux me porter ? Bah t'as intérêt à te lever. Fais le petit train. Chloé est très demandeuse. Non ? Théo et Chloé, c'est ceux qui sont les plus demandeurs de câlins et tout, ça hallucine. Ah, y'a rien. Y'a rien dans la boîte aux lettres. Hop. Désolé Théo. Bah pourquoi désolé Théo ? Il a dit quelque chose Théo ? Y'a rien dit. Non, y'a rien. Il aura qu'à attendre un colis. Qui était retardé et tout, faut que j'aille à la banque aussi déposer mon chèque. Hop, ouais, c'est bon, il y a 9 minutes de cuisson sous pression. Après du coup ça sera bon. Je vais vider la vaisselle, le remplir. Et puis après bon, on mangera tranquillou. C'est moi qui dois vider la vaisselle. Fais attention hein. Tu fais très attention hein. C'est chaud ? Non, c'est pas chaud là. Mais faut faire attention hein. Attention, toi tu ranges. Merci. Tu poses à côté, je vais les ranger, t'inquiète pas. Hop, pose-les là plutôt, ici. C'est mieux parce que là c'est un peu trop haut pour toi, tu vas les faire tomber. Faut que je fasse des yaourts aussi, mais du coup, ouais, j'ai toujours pas fait les courses. Laurent m'a envoyé 2-3 recettes. Laurent m'a envoyé 2-3 recettes. Tu voudras au citron, d'ailleurs ? Ok. Oui, je crois au citron avec les petits sucres ici. Laurent m'a envoyé 2-3 recettes aussi, il faut que je les note. Non, ah non, non, mais non, surtout pas. Après, ça va tomber, ça va casser les verres. Faut pas empiler comme ça. Bon, la table est en cours de préparation, nous allons manger d'ici quelques minutes. On a du coup, il reste des salades et tout. Et c'est du riz poivron du coup, comme je vous ai dit. Voilà, donc on va manger d'ici quelques minutes. Du coup, je suis allé sur le PC vite fait juste avant. Et puis là, bah, j'attendais que le cookie au cuit. C'est bon, le cookie au a cuit. Il a rendu la nourriture cette fois-ci, il l'a pas gardé. Donc on va manger d'ici quelques minutes. Bon, il est midi 15, donc on est bien au niveau du timing, pas de souci. Et tu regardes Barbie, toi ? Théo est en train de regarder la télé, il fait très chaud dehors hein. Là, de toute façon, c'est la canicule. Ça va faire du bien de jouer avec l'eau tout à l'heure. L'eau de la citerne, bien entendu, l'eau gratuite de la citerne. Regardez ce qui a été utilisé, n'empêche en l'espace de 10 jours. Au moins 300 litres. 200-300 litres facile. Entre l'arrosage plus les jeux et tout, bah, de toute façon ça pompe, hein, c'est normal. Les enfants sont très taquins aujourd'hui, ils se taquinent entre eux, ils se prennent un peu la tête à droite à gauche. Hop. Bon, on va aller manger, je vous reprendrai après, quand j'aurai du coup la cuisine à ranger et tout ça. Encore du café. Oui, encore du café. Hop. Bon, écoutez, nous venons de manger. Les enfants ont super bien mangé. Théo et Léo sortent ça plusieurs fois et tout. Ouais, mais tu poses après sur la table, comme ça je donnerai à Gordon. Ils ont très bien mangé, ils sont servis plusieurs fois et tout, du riz et poivron. Oui, oui, c'est vrai. Bon, c'est parti, on va ranger la cuisine. Deux. Oui, elle est là. C'est deux, Chloé. Hop. Amène les assiettes, Théo. Mettre dans la vaisselle et tout. Chloé, on va aller à la sieste. Prends Doudou. C'est parti, on y va. Allez. T'es prêt pour la sieste ? Attends. Papa ? Quoi ? Quand on va dans le lac ? On va dans le lac aujourd'hui. Bah, je t'avais dit. J'ai pas dit aujourd'hui, non ? Allez, vas-y. On fait quoi aujourd'hui ? On verra. Il y a déjà les courses à faire, j'ai dit. Hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu. Fais la fête, toi. Oui, c'est bon. Fais la fête, toi, pour faire. Ah bon ? Allez, fais-moi bisous. Une petite sieste, hein. Je te ferme les volets. Non, on le laisse comme ça. Ok. À tout à l'heure, ma chérie. Voilà, ça c'est fait. Okay. J'attends qu'il débarrasse la table et tout. J'irai recontrôler, bien entendu. Il fait chaud là. Tac. Ce soir, il y a un live sur Twitch, un live d'un nouveau type, vous verrez. Enfin, vous verrez, vous aurez déjà vu si vous étiez là, parce que de toute façon, ce vlog, le live sera déjà passé de toute manière. Hop, hop. Quelqu'un qui vient de me commenter sur mon vlog en disant « Ça y va les 10 pubs ?» Oui, mais la vidéo fait 1h12. En fait, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais à chaque fois, à mon avis, vous oubliez. Quoi ? Bah si. Non, non, c'est bon, il y a déjà assez, Théo. C'est quoi qu'il a redonné ? Bah, du riz. Oui, du riz qui était dans une assiette ? Oui. Alors, c'est bon.
Comme je le répète à de nombreuses reprises, mais que les gens ont tendance à volontairement oublier. Allez, vas-y, débarrasse, il reste encore des trucs. Non, non, je joue pas la bagarre là. Non, après, non. Quand j'ai fini. Bah, après, je dois encore ranger la cuisine et tout, et après, on verra, oui. Et je disais, oui, je dois le répéter à de nombreuses reprises. Mais en fait, moi, les pubs dans les vidéos, je les mets toutes les 7 minutes. Sur les vlogs. Sur les vlogs, vous avez une pub toutes les 7 minutes. Donc 7, 14, 21, 28, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc forcément, si la vidéo dure 1h12, il y a très logiquement plus de pubs. C'est normal. Mais bon. Et après, sur les facecam, par contre, quand ça dure 10-12 minutes, quelque chose comme ça, il y en a une au début, une au milieu, une à la fin. J'en mets pas plus. Et quand c'est des facecams qui durent 30-40 minutes, je réapplique les 7. En fait, du moment que ça dépasse les 15 minutes, les 15 ou 20 minutes, j'applique la règle des 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Voilà. C'est comme ça que je gère en fait mes publicités sur mes vidéos. Regarde qu'est-ce que je ramasse. Ouais, fais attention, hein, faut pas tomber. Et puis, oui, remets dans le frigo, ouais. Hop. En tout cas, il reste encore un petit peu de poivron, c'est cool. Et puis... Il reste un verre. Et après, c'est bon. Ah bah oui, c'est bien, vous rangez bien. Bon, écoutez, il est actuellement 13h50. J'ai un début de mal de tête, mais j'ai plus mes docs. J'ai plus les feralgans, j'ai plus de spédifène, j'ai plus d'aspégie, j'ai plus rien. Ça, c'est petit pas beau, hein. C'est pas ouf, mais bon. C'est comme ça, faudra que j'aille en acheter. La pharmacie et tout ça. Tout est rangé, c'est très calme. La chaleur, elle tanne quand même pas mal, hein. Les enfants sont allés jouer dehors avant, je vous ai pas filmé, on est resté un peu dehors. Ils ont joué un peu à trottinette et tout, et en fait, il fait tellement chaud. Au bout de 5 minutes, on rentre. Mais là, de toute façon, dès que Chloé elle sort de la sieste, je leur dis, vous pouvez jouer avec les pistolets à vous et tout. Allez, arrosez-vous, faites plaisir et tout. Parce que là, c'est assez costaud. Faut aussi que j'achète les places, toutes les entrées pour Frépertuis. J'achète pour tout le monde. Je prends pour tout le monde et après, du coup, je les redistribuerai lorsqu'on arrivera au parc d'attractions. Jeudi, il faut que je prenne celle de Vanessa et Cédric aussi. Là, ils sont actuellement à Disney, là, d'ailleurs, Cédric et Vanessa. Je vais juste nettoyer la table. Et j'ai hâte d'être au live de ce soir parce que ça va être un nouveau truc sur le live de ce soir. Alors j'ai vu ça dans un live hier d'un autre streamer. Je suis arrivé sur son live et j'ai vu ça. Même lui il connaissait pas, il venait de découvrir le truc et j'ai trouvé ça tellement bien. C'est trop drôle. Vous verrez. C'était trop rigolo. Et j'ai même participé dans son live. J'ai même gagné d'ailleurs dans son live. Il faisait gagner des subs aussi. Il a dit ah bah celui qui est premier dans le mini-jeu il gagne un abonnement. Bah, c'est sur Gizby en fait, le streamer. Et du coup, bah, j'ai gagné. Et je suis dit, non, bah, c'est bon, j'ai dit, donne mon abonnement à quelqu'un après, parce que moi, j'ai jamais le temps de regarder les streamers. Ça sert à rien qu'il m'offre un abonnement si au final, je participe jamais à sa chaîne Twitch. Mais du coup, je trouvais ça très très drôle et j'ai envie de le faire aussi sur ma chaîne. Je connaissais pas. J'ai lu, c'est la première fois qu'il l'utilisait aussi. Je trouve vraiment ça très très sympa. Donc, on verra ça tout à l'heure. Enfin, ce soir, quand je ferai le live. Voilà, ça c'est bon. Tu te dis, c'est un temps à jouer dehors. Ça y est, j'ai le hockey. C'est pas des ronds, c'est le hockey. Bon, je vous laisse. Oh, les deux là, tout le temps. Bon, écoutez, il est actuellement 15h50. J'ai pas filmé depuis tout à l'heure parce qu'en fait, je me suis tapé un mal de tête. On avait un, alors, on va dire, un supposé AVF dans la gueule. J'étais couché sous le canapé, mal. Et le problème, c'est que j'ai plus de médoc. Du coup, Laura, quand elle est rentrée, est tout de suite allée à la pharmacie. On a repris de l'aspégique et tout. Et là, j'ai pris de l'aspégique depuis une demi-heure à peu près. Ça va beaucoup mieux. Donc voilà, moi ça marche super bien. Hein. J'ai de la chance parce que les médocs pour la tête marchent super bien pour mes AVF et tout. Malone est arrivée aussi, c'est tout bon. Et là, Laura, elle va partir faire les courses. Et, je crois qu'elle prend Chloé et Léo avec elle. Et puis, j'ai mis au four des petits cœurs fondants chocolat. C'est des cœurs. Des fondants chocolat caramel avec un cœur au Nutella. Oui, bah fais attention avec ta bagarre, toi tu vas te faire mal. Alors après on peut aller chez le panda Ludo. C'est pas bien, hein. Franchement, c'est pas bon en plus, hein. C'est ça le pire. Hein. Non, mais... Ouais, c'est pas bon. Gourmand quoi. Je suis pas bon. Écoutez, il est actuellement 17h18, Laura vient de rentrer des courses. Et moi je découvre, hein. Parce que je ne sais pas du coup ce que t'as acheté. Nous avons des oignons, c'est quoi? Ah, du magret en tranche. Des compotes de pommes, des avocats, des pois chiches, du maïs, du thon, des lardons, bah, le paquet de lardons, des haricots verts, de la farine, bah oui, hein, ceux qui étaient dans la vie. Pommes de terre, des gâteaux,
des gnocchis, des courgettes, des œufs, des yaourts nature pour faire les... T'as du lait aussi? Ah, j'ai pas vu. Les yaourts nature, les aubergines, des flammes, des poivrons, des melons. Oh, ils sentent trop bon. Des melons, de la pastèque, du riz, des Kellogg's, du pain de mie, de la mozza, pain au chocolat, des cornichons. Ah, oh, bah oui, de nouveau, du cacao, il y en avait plus ce matin. Du lait, voilà, et des bouquins. Alors c'est Léo, il voulait un livre pour... Enfin, un cahier pour écrire. Et du coup, tout le monde a eu un cahier pour écrire. Comme ça, au moins, personne prendra celui de l'autre. Tu auras pas « je me bats » ou quoi que ce soit. Ça, c'est Bibi, moi, Théo. Et Chloé, elle a déjà le sien dans les mains. Et moi, j'ai Théo. Tiens, j'ai écrit après. C'est bien, c'est déjà ça. Écoutez, il est actuellement 17h32 après ce haul course un peu rapide. Bah, comme je dis, c'est pas moi qui ai fait les courses, donc... Ouais, d'accord. Je regardais juste, en fait, je constatais juste qu'il avait été acquis, j'ai envie de dire. Et ben là, du coup, on est dehors et les enfants sont en train de jouer avec les pistolets à eau et tout. Alors Chloé s'est mis en maillot de bain pour jouer. Et ben là, les garçons sont en train de remplir les pistolets et tout. Libby, je lui ai dit d'arrêter le PC pour aujourd'hui, c'était bon, parce qu'elle a déjà joué un petit peu cet après-midi et tout. Donc ça va, calmos. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, ça joue. Ça tire au pistolet à eau. Faut pomper hein, pour que ça marche. Tu pompes pas là, Chloé, ça peut pas marcher. Là sous le visage, Léo. Oh, quelle affaire, Léo, il est trempé. Oui? Bah, faut pas manger ça. Va mettre dans le bac à compost. C'est de la peau ça. Bah oui, c'est du melon et tout ça. Laura est en train de préparer à manger. Voilà mon chef-d'œuvre. Ah non mais ouais. Là Léo il est trempé jusqu'aux os. Tu sais, il faut mettre du gel douche. Et après c'est bon, c'est réglé. Hein. Du gel douche pour se laver. Du shampoing. Tu mets du shampoing, c'est bon, c'est réglé là. Hein. Vu la quantité de flotte que t'as sur toi. La couche 3. Non, parce que j'ai envie de faire caca. Et tu peux pas rentrer t'es tout trempé. Merci. Merci Libby. Ah là là. Bon, on va bientôt manger de toute façon. C'est Théo qui doit préparer la table aujourd'hui. Oh. Enfin, ce soir, je crois. C'est toujours moi qui... Ah non, c'est Malone. Non, c'est Malone. Oui, aujourd'hui c'est toi la vaisselle. Sûrement pas. Vas-y, c'est bon, t'as réussi à mettre dans le compost. Oh là, dis donc. Tu vas t'envoler avec tes ailes, hein. Tu vas t'envoler, hein. Oui. Alors on a joué, je suis trempé aussi. On s'est aussi trempé avec Léo, Libby et tout. Pas de console, Libby, c'est fini. Hein. C'est fini les jeux là. T'as déjà bien joué aujourd'hui. Oh, par contre, la manette elle déconne. Je sais pas si c'est la console ou la manette. Mais regarde, j'ai beau appuyer. C'est peut-être les piles, hein. Non, celle-là elle nous a pas informé qu'elle avait des. Ah ouais? Ouais. Ouais, je sais pas. Hop, j'ai hâte d'être au live de ce soir, voir un peu comment ça marche le truc. Voilà, là on va pas tarder à manger, j'ai vu Laura, elle a bientôt fini de préparer, elle a fait une des assiettes crudités, melon et tout ça pour ce soir, ça va être sympa, ça va faire du bien. Les fonctionnalités sociales de Battle.net sont actuellement disponibles, nous vous présentons toutes nos excuses pour les gênes occasionnels. T'inquiète, y'a pas de problème. Bref, la tête ça va mieux, bah, depuis que j'ai pris Aspilux ça va beaucoup mieux forcément. C'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Je vais juste prendre une batterie, parce que là j'ai plus de batterie dans cette caméra. Donc je vais la changer, je vais la remettre. J'ai mis en ligne la facecam tout à l'heure. C'est tout bon, allez bien. Et puis là du coup ce que je vais faire c'est que demain je vais mettre en ligne un urbex. Demain, ou une histoire paranormale. Urbex ou histoire paranormale, peu importe. Je sais pas encore quelle vidéo je vais mettre demain. Ça va, tu t'amuses bien avec ton cahier? Oui c'est bon, Léo a son cahier. Regarde, j'ai écrit son prénom. Bibi, ouais, très bien. Parfait, bah laisse-lui maintenant, hein, c'est le sien. Tu utilises le tien et puis c'est tout. Hein. Tu peux écrire quoi sur ton cahier? Je vais apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses, tu vas écrire des mots et tout. Si tu veux savoir un... des calculs. Si t'as besoin... Oui aussi, si t'as besoin de savoir un mot, tu me le dis, je te l'écris comme ça, après tu peux l'apprendre. Nous avons ici une espèce de Libianus. Provocatus, qui est un humanoïde à deux pattes en train de ranger un lave-vaisselle. Si je gagnais 1 euro à chaque fois qu'elle tourne en rond en se demandant où va les choses dans le lave-vaisselle, et papa, moi
Je pourrais actuellement payer mes impôts qui s'élèvent d'un montant de 2371,30€. Rip le respect. Papa, moi je dois faire quoi? Non mais c'est bon, Libby, elle s'en occupe, t'inquiète, on va aller prendre la douche après. Tu dois faire quoi, mon? Mais t'as rien à faire, là. T'as déjà eu ton gâteau, ouais, ça va, hein, faut abuser. Nana, t'as déjà bien mangé, ma chérie. Tiens, il y a ça aussi. Ça vient de sortir, en fait. Ah, c'est propre? Bah oui. Ah, ok. Tout ce qu'il y a ici, maintenant, c'est propre. Bah, ça, c'est ça. T'as de la place encore? T'as de la place, vas-y. Oui. Plus de place, t'as en fait. Tout mangé, les toiles. Ah, c'est pas moi qui ai mangé, non? Les Malone, il en a mangé aussi à 4h. Enfin, oui, je vais les rentrer. Quoi? Tu vas sauter sur moi? Oh la vache! Elle est lourde, hein? Non, elle est pas lourde, mais je m'y attendais pas parce qu'elle saute vraiment. Voilà. C'est un vrai quoi là? J'ai même pas besoin de la tenir, regardez. Il a fait oui. Je ne veux pas sauter un pasteur. Toi, tu ressembles beaucoup à ta soeur. Hein. C'est bizarre, hein, c'est quand même étrange. Non, mais ça, c'est n'importe quoi, Libby. Mais il a dit clairement: ah, bonjour la maman. Mais non, mais il était tout vieux, c'est pour ça. Je te jure. Oui, mais parce que c'était une personne âgée, il a pas bien vu. Non, stop. Parce qu'après, moi, j'ai le dos, il est cassé, et puis après, il va être par terre, le dos. Tu vas devoir le ramasser, le rassembler. Non. Bah si, hein. Non. Bah si, hein. Moi, je me casse le ventre, alors. Il n'est plus respect. J'ai cassé le ventre. Bah. Ah non, mais elle descend plus une fois qu'elle est, hein. C'est fini, hein. Là tu la gardes jusqu'à ce soir, hein. Allez, salut, hein. Au revoir, ciao. Non, salut. Tiens. C'est bon, je la tiens. C'est bon, je te tiens, Chloé. Eh, vous pouvez prendre des trucs, là. Oh. Il y a des affaires à prendre, là. Ouais. Il n'y a pas mes affaires. Si, il y a des trucs à prendre, là. Mais c'est pas mes affaires. Il y a des trucs. Et quand je lave tes affaires, est-ce que c'est les miennes? Quand je fais le linge et tout. Non. Mais tu le laisses, c'est pas pour demain, t'as pas besoin de le prendre. Mais non, mais je vais le mettre dans ma chambre. Ah non, vaut mieux pas. Trust me, it's not a good idea. Tu prends le reste, allez. Le cahier. Allez, Léo, il va prendre. Allez, on monte. Le cahier. De toute façon, c'est pas ton cahier celui-là. Si. Non, toi il est rose. On va où demain? Tu verras où on va demain. On va. Tiens, bah oui, tu l'as mis tout à l'heure quand t'étais encore mouillé. Tu le laisses sur ton bureau. Il est un petit peu humide. Tu peux me jeter comme ça? Non, là, je te jette pas, là. Fais câlin. Bon, câlin. Oh. Va aller boire. Gros bébé. Allez. Ah, t'es vraiment un singe, toi. Je t'oublie. Allez. Oli. Papa. Fais-moi un câlin maintenant, ça t'évitera de ressortir dans une vue en disant on s'est pas fait un gros câlin. Est-ce que demain? Bah elle est sale, là, ta chemise faut la laver. Attends chérie, j'arrive, va dans ta chambre. Ah, il faut la... Elle est là. Bah on la... tu la mets au sale demain et puis et je la laverai. Il faut le bien pour les autres. Oui, le short, c'est bien. Je ferme la porte. Vas-y. Bonne nuit les gars. Bonne nuit. Attends, je ferme les volets. Non. Si, bah un petit peu aussi. Un petit peu. Oui, un petit peu. Un petit peu comme ça. Et toi, madame princesse? Princesse Jasmine. Fais-moi un bisou. Jasmine, elle s'appelle? Oui, c'est la princesse d'Alada. C'est bon, Libby. Elle vient tout à l'heure, Libby. Quand ça, je vais lui toucher, elle vient. Mais tout à l'heure. Farine, tomate, tout ça, t'as vu. C'est bon, c'est arrosé. Il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a quand même... Il y en a plein. Même si c'est pas très grand, alors du coup, il y en a moins que ce qu'on pourrait avoir. Mais tu vois, les feuilles, elles ont jauni, quoi. Pourtant, c'est arrosé tous les soirs, hein. Tomates cerises, là aussi il y en a, là ça monte aussi. Mes chers amis, je suis actuellement posé sur la terrasse. Ouais, il y a quand même pire comme espace de travail bien évidemment. Et je viens de bosser sur la page rééquilibrage alimentaire sur mon site internet adrien-youtube.fr. Vous avez du coup le suivi de mon poids, etc. Ah ouais, j'ai mis mon poids hein, carrément. Pesé du 7 août. 108,95
J'ai aussi mis les captures d'écran de l'évolution avec le secret du poids, donc la consommation par jour. Voilà. Alors oui, j'ai consommé aussi peu le 8 août, hein, parce que c'était que des légumes. Et l'évolution de la dette, parce qu'en fait, quand tu fixes ton objectif, donc moi c'est 20 kilos, ça représentait 130, un peu plus de 138 000 calories, kilocalories à épuiser. Et en fait, en fonction de ce que tu remplis pas, bah tu descends ta dette. Et là, c'est mon poids, 108,9. Et ils estiment que je devrais être maintenant à 108,2 environ, quelque chose comme ça, voilà. Là, je vais mettre des idées de repas et tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Je viens de faire ça, et là, je vais aussi bosser sur mes descriptions, les descriptions sur ma chaîne YouTube. Je vais refaire ma description pour que ça soit un peu plus enjaillable, un peu plus joli, si tu veux, parce qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées et tout ça. Là, les autres enfants sont au lit, Malone est parti à la douche, Libby est en train de faire un chocolat chaud à Laura et puis elle et Malone. Et moi, je vais commencer à faire le stream. Et moi, je vais commencer à faire le stream, du coup, je vais au moins terminer de modifier ma petite bio, parce que ma petite description sur YouTube, parce que ça fait un moment que je voulais le faire. Mettre des petites images, des choses comme ça, et je l'avais pas encore fait. Donc. Bon, écoutez, je suis actuellement devant l'ordinateur, je suis en train de préparer le stream, il est 21h. Et vu qu'on va faire un jeu ce soir, avec je vais offrir des abonnements et tout ça, ça va payer. Du coup, je suis en train de tester, parce que je sais pas du tout comment ça synchronise avec Twitch, parce que le jeu, en fait, va fonctionner avec Twitch. Les participants de Twitch vont pouvoir jouer au jeu. Et ça, c'est un peu beau. Donc, je sais pas du tout comment ça... Authenticating with Twitch. Ok. Ok. J'envoie un token qui m'envoie automatiquement un code de sécurité avec la double authentification. C'est bon. Et du coup, les gens vont pouvoir... Voilà, ils vont pouvoir, en fait, participer au jeu. C'est un jeu de hasard. Ok, ça marche. Steam account successful, c'est bon. On verra comment ça marche, mais ça a l'air d'être ok. Bon, écoutez, top. Hein. Je vais quitter le jeu maintenant, parce qu'au final, il y avait juste à se connecter via Twitch, et puis c'était bon. Comment on quitte le jeu, s'il vous plaît? Il n'y a pas de bouton quitter. Quitte, voilà. Voilà, c'est bon, j'ai quitté le jeu. En fait, c'est un jeu de hasard. Vous allez pouvoir incarner une petite bille, un peu de loto, si tu veux. Et cette bille va devoir parcourir un parcours semé d'embûches et tout ça, absolument aléatoire. Et le premier qui gagnera, du coup, gagnera un abonnement sur mon compte Twitch, tu vois. Un abonnement d'une valeur de 5-6 balles. Et je trouve ça vraiment marrant et ça. Tout le monde participe et tout, c'est vraiment sympa. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Moi, je l'ai vu pour la première fois sur le live de Gizby, du coup, sur Gizby hier. Et lui aussi, il l'avait découvert hier et franchement, c'est vraiment sympa. Et s'il pourrait faire d'autres jeux comme ça, ça serait encore mieux, purée. On pourrait faire plein de trucs avec les abonnés, c'est génial. Bon, c'est bon, mon environnement de stream est prêt. Voilà, j'ai le fond vert et tout ça. Je vais devoir faire des investissements pour le stream. J'ai fait des appels aux dons et tout ça, ça a bien marché et tout. Il va falloir que je change de micro. Actuellement, j'ai le micro OK. Voilà, de la marque OK ici. Et ce micro, ce micro est bien, mais la qualité sonore n'est pas non plus ouf. Et je vise plutôt un micro qui est un peu plus cher, 200-300 balles. Un micro actif, donc avec une alimentation externe, etc. Donc c'est vraiment au-dessus du soleil, si tu veux. Et aussi un stream deck. Un stream deck, c'est un boîtier de contrôle pour streamer que en fait t'attribues des fonctions à des touches. Par exemple, j'appuie sur la touche, boum, ça me bascule ma tête en fait en plus petit, machin. C'est en fait des préconfigurations des boutons qui vont te changer l'apparence de ton stream en fait, ou alors lancer des musiques, des trucs comme ça. Genre j'appuie, ça fait oh, c'est vraiment beau, tu vois. J'appuie, ouais, c'est vraiment beau, ouais, c'est vraiment beau, tu vois, des trucs comme ça. C'est con, hein, c'est pas ce que je vais faire. Mais du coup, c'est un stream deck et tout ça. Et là, il y en a pour un petit billet de quelques centaines d'euros, donc ça sera pas pour tout de suite. Mais il faut vraiment que je le fasse parce que mes streams sont à mon niveau. Moi, je suis très content, voilà, de votre assiduité et tout. D'ailleurs, hier soir à 1h du mat, enfin cette nuit à 1h du mat, j'ai fait une petite discussion privée. Pas prévu du tout, enfin que j'avais pas prévu. Je voulais vraiment que ça soit en tout petit comité. Et à 1h du mat, les abonnés Twitch ont eu l'occasion de venir discuter avec moi en privé sur Discord. Et c'était uniquement réservé aux abonnés Twitch. C'était très sympa, on était quelques-uns. On a pu discuter comme ça dans l'intimité, c'était vraiment super sympa. Bref, je vais retourner en bas, boire un coup et tout ça, me préparer. Et puis dans un petit quart d'heure, je serai bon pour commencer le Saint Live. Quelle ambiance. Oh, c'était génial le live. Une très belle ambiance. Ça faisait vraiment plaisir. Écoutez, il est actuellement 1h du matin. Je viens de terminer le montage de... Enfin, de terminer, non. Je viens de
monté le vlog jusqu'à maintenant, donc il n'est pas encore clôturé. Donc le live a duré de 21h30 jusqu'à 23h. Ouais, c'est ça, il a duré 1h30, donc 21h30, 23h. Très bonne participation, plus de 200 personnes, ça fait vraiment plaisir. Et puis en plus, c'était vraiment sympa ce petit jeu comme ça et tout. On a vraiment tous rigolé ensemble. Ça faisait plaisir, c'est l'effet escompté. Je voulais vraiment avoir ce retour, je voulais vraiment vous faire plaisir et tout. Et c'était totalement le cas, et moi ça me fait du bien. Il y a une bonne ambiance. Comme j'ai dit, il y a des choses qui vont changer sur le stream. Donc ceux qui sont déjà sur le stream, vous verrez progressivement dans les semaines à venir des choses qui vont changer. Et pour ceux qui n'ont jamais participé à un live, bah c'est le moment peut-être de vous y mettre, de nous rejoindre. On est 4200 maintenant, 4200 personnes, c'est peut-être le moment de nous rejoindre et puis de découvrir un petit peu l'ambiance et tout sur les lives. C'est chill, on discute un peu de tout et tout, et en plus comme je dis, j'améliore ou je change des choses progressivement pour rendre les streams plus agréables. Là je suis en train de préparer la machine à yaourt parce qu'en fait je l'ai pas préparé tout à l'heure. Je vais faire des petits yaourts dans cette machine. Donc pour ça, j'enlève le couvert. Je vais faire la préparation et les mettre du coup en route pour cette nuit. Il y en a pour 8 heures à faire. Donc c'est cette nuit qu'il faut que je les mette. Hop. Comme ça, les enfants, ils les ont demandé. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'il n'y en avait pas aujourd'hui parce que j'en ai pas fait ce week-end. Et résultat, les enfants, on n'a pas de yaourt? Je fais non, j'en ai pas fait et tout. Ah, c'est dommage. Je dis, bah, j'en ferai demain, vous inquiétez pas. Ah bah oui, parce qu'on aime bien. Hein. C'est cool parce qu'ils sont demandeurs de ces yaourts, ça fait vraiment plaisir en fait. Je vois que tu les fais pas pour rien, hein. Chaque fois que je les fais, ils sont dévorés et tout, sans aucun problème. Attendez, je crois qu'il me manque... Ah, il fallait ce récipient avec un bec verseur. Donc il faut prendre 1 litre de... Je vous mets la lumière pour que ça soit un peu moins contre-jour. Ouais, c'est mieux. 1 litre de lait, donc c'est du lait demi-écrémé. Vous pouvez prendre du lait entier, c'est mieux, parce qu'avec le lait entier, le yaourt aura une consistance un peu plus importante. Mais si vous n'avez pas de lait entier, c'est pas grave, vous pouvez prendre du lait en poudre. Voilà, du lait en poudre comme ça. T'en mets un petit peu, voilà. Il faut ensuite mettre un yaourt nature complet, qui va contenir tous les ferments lactiques et tout ça. Ou tu peux mettre du ferment lactique aussi, déjà fait, voilà, tu connais l'histoire. Ensuite, une fois que c'est fait, on prend le fouet qui n'est pas là, il doit être au lave-vaisselle aussi, je m'en suis servi tout à l'heure. Fouet, on mélange bien. Et après, vous pouvez mettre un petit peu de sucre pour faire un yaourt nature sucré. C'est possible. Et moi, je vais vous montrer ce que je vais mettre après. Donc là, je touille. Histoire qu'il n'y ait plus de goût, bien mûr. Grumeaux. Voilà, il n'y a plus de grumeaux. Et en fait, je vais déjà verser dans tous les petits pots. Je vais verser la mixture dans tous les petits pots. Et un bec verseur, c'est beaucoup plus pratique. Alors même si vous en mettez un peu à côté, c'est pas grave de toute façon. La machine, vous pouvez la nettoyer sans problème. Hein. Je dis ça parce que des fois, ça m'arrive d'en mettre un petit peu à côté. Et du coup, dans le fond de la machine, bah, il y a du lait collé. Le lendemain, quand tu as fini de faire le truc, tu sais... Mais bon, ça se nettoie super facilement. La machine ne chauffe pas, hein. C'est pas une machine qui chauffe, hein, justement. Voilà. Un petit peu ici, un petit peu là, on est qui, mais pas trop chargé, parce que justement, dans ce yaourt nature, je vais y apporter une petite cuillère à café de sucre aromatisé au citron. Bah là, ils m'ont demandé citron, les enfants. Voilà, je mets dans un pot, et ainsi de suite, dans chaque pot, un petit peu de sucre. Et demain, en fait, quand ils vont manger leur yaourt, ils vont le mélanger et le sucre, en fait, il sera resté tout au fond. Et du coup, en le mélangeant, le sucre va se mélanger avec la préparation et ça va donner un bon petit yaourt nature sucré avec du sucre aromatisé. Donc là, c'est au citron, il y a la fraise, il y a plein de goûts, dernièrement cactus aussi. Et ces produits-là, Laura va bientôt vous les proposer, enfin vous les proposer, pas à vous spécialement. Elle va bientôt faire de la VDI pour cette entreprise française, c'est une entreprise française. Elle va bientôt faire de la VDI pour eux et elle pourra, si ça vous intéresse, elle pourra aussi vous en vendre. Et ça marche super bien, franchement, tu le sens bien quoi. Alors, j'allume la machine. Ah, la multiprise était branchée. Voilà, allumée. Voilà, c'est bon, 8 heures. C'est bon, c'est lancé. Voilà, la machine est lancée pendant 8 heures. Tu peux laisser, même si ça se termine dans 8 heures, bon, on sera réveillé. Mais si ça se termine en pleine nuit, c'est pas grave, la machine elle reste comme ça, elle s'éteint toute seule. Et puis après, le lendemain, t'arrives tranquille, et puis tu mets dans ton frigo tes yaourts, et puis tout se passe bien, quoi, y'a pas de problème. Mais franchement, je suis très content, moi, ça marche vraiment bien. Donc demain matin, les enfants, ils seront contents parce qu'ils auront des yaourts pour midi, et puis pour le soir, des yaourts au citron, comme ils m'ont demandé. Là, ils m'ont dit citron.
on a fraise, on a cassis, on a mangue derrière et on a citron. Voilà. Bref, après cet instant un peu cuisine, je vais vous laisser. Mais avant de vous laisser, j'ai une dédicace à faire. Et vous savez que je ne fais jamais de dédicace. Parce que pourquoi pas l'un et pourquoi pas l'autre? Et bien cette fois-ci, c'est une personne qui a gagné ce soir. Alors j'ai offert des abonnements à Twitch, j'ai offert des épisodes gratuits de Ghost and Us et tout ça. Et ben ce soir, j'ai une dédicace à faire à Coralie. Coralie qui a gagné la course. Les jeux de hasard qui a gagné la course. Là, je suis en train de me dire, putain, j'espère que c'est bien Coralie. Oui, oui, c'est bien Coralie. Si, si, son pseudo c'était Cora. C'est Coralie qui a gagné la course ce soir dans le live Twitch. Donc je lui fais une belle dédicace et je lui dis félicitations. Ça me fait plaisir de te compter parmi les abonnés. Et j'espère que tu resteras attentive à mes vidéos pendant encore longtemps. Voilà. Et que peut-être que tu gagneras d'autres courses et d'autres dédicaces, etc. Bref, je vous remercie tous, Coralie aussi, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis, à demain pour une nouvelle vidéo, nouvelle facecam comme d'habitude et des lives sur Twitch. Salut.